Hey YouTube, comment ça va? C'est Coco713, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme parce que là, ça va y aller, ça va envoyer du lourd sur ce gameplay. Donc on se retrouve sur la map Raid, Domination Guerre Terrestre comme d'habitude. Vous allez voir que c'est sur cette partie, ça correspond bien avec la vidéo que j'ai postée hier. Je vais revenir d'ailleurs là-dessus, sur le rush. Donc je vais présenter un peu mes classes. Je joue avec la MSMC, poignard gauche chargeur grande cape. Je dois avoir pillard robustesse, détermination. Il me semble que j'ai dextérité. Regardez, ils ont pris cher. Et la para, le CK, drone, brouilleur, micro-station. Ouais, je suis trop nul du jeu avec le C4. Trop lolol. Ensuite, ce que je vous ai pas dit, c'est que déjà je vais faire de la nucléaire avec cette classe-là. Et ensuite, je vais faire une autre nucléaire avec la Vector, histoire de changer de style, on va dire. Comme ça, en même temps, ça diversifie, puis ça évite aussi d'un côté les commentaires ouais, t'as le MSMC, c'est trop facile, nanani, je sais pas quoi. Donc, j'ai pris la Vector, je dois avoir poignée ergonomique dessus, chargeur rapide. Il me semble que j'ai condition extrême plutôt que dextérité là-dessus, sinon c'est pareil. Donc, voilà, faut savoir que cette partie, je jouais juste en solo. Non, j'étais accompagné d'un gars qui m'a rejoint après, donc bon. On peut considérer que c'est en soi du solo, enfin il n'y a aucun groupe soutien ou je sais pas quoi. Je suis pas amusé à faire chier les gens, moi. Et puis voilà, regardez. Ouais, donc c'est Bastos. Petit big up à lui. Donc voilà. Excusez-moi, je suis en train de bailler. Il faut savoir que je joue surtout contre une team. La team Rio, Riot, Riot, vous dites ça comme vous voulez. Contre une team, les gars. Une nucléaire contre une team, c'est toujours. Déjà, une nucléaire, c'est toujours très bien. Une nucléaire contre une team, c'est encore mieux. Mais alors une double nuque, je sais pas moi, je peux pas faire mieux. Peut-être faire une triple. Je peux pas dire que je l'ai vraiment raté, mais disons que il y avait le potentiel pour. En tout cas, déjà au niveau des kills, il y avait largement. J'ai fait plus que les 90 kills. Hein. Je vais même peut-être faire les 100 kills. J'ai eu très chaud, vous allez voir. Et je vous dis pas tout de suite si je vais les faire. Donc je me répète un peu là. Désolé, je bug un peu. Bref, je vais revenir sur la vidéo. Que j'ai envoyé hier sur le rush. Et ma foi, vous l'avez plutôt bien pris, ça m'a plu ça. De toute façon, je veux dire, quand j'envoie des vidéos, la plupart du temps, voilà quoi, mes abonnés ils comprennent, ils savent où je veux en venir, et puis voilà, il y a toujours du bon soutien. Mais là, ce qui m'a un peu. Ça m'a même pas énervé quoi, ça m'a plus fait rire qu'autre chose, c'est que les critiques négatives et sans aucune construction en fait, à tort. Elles sont venues d'autres personnes qui ne me connaissaient pas, je pense. Parce que, ouais, ils ne me connaissaient pas, on va dire. Je sais pas, je pète plus haut que mon cul, ou quelque chose comme ça. Que je me vantais, que c'était pas du rush, que je disais n'importe quoi, pardon. Enfin, plein de trucs bizarres. Donc, je reviens sur le score, là, je suis à 26-0. Ça fait déjà 3 minutes de jeu, enfin, ça fait à peine 3 minutes de jeu. Donc là, j'ai un peu louché pour lui, mais c'est pas grave. Ouais, donc je disais je disais par rapport aux gars qui sont venus critiquer, donc ça va, il y en a eu que quelques-uns, moi ça me fait rire hein. Moi je m'en bats les couilles qu'on me critique du moment qu'il n'y a aucun fondement, il n'y a rien du tout, je sais pas, ça sert à rien limite. Donc comme quoi, je sais pas, je me vantais comme quoi je disais de la merde, donc là je vois pas en quoi. Comme quoi je me comparais à certains, je disais que j'étais le meilleur ou je sais pas quoi, mais les gars, c'est pas mon but. Hein. Mon but, je sais pas, c'est pas d'être prétentieux ou je sais pas quoi, il n'y a aucune arrogance. Hein. Après, c'est ce que je comprends pas. C'est que les gens ne comprennent pas, ils veulent entendre que ce qu'ils veulent. Enfin, certains, je vais vraiment pas faire de généralité, il y en a toujours quelques-uns qui comprennent pas, on va dire, ou qui font semblant de pas comprendre. J'espère qu'ils font semblant d'ailleurs, parce que sinon ça devient grave. Genre. Je critique les autres, enfin de toute façon c'est pas mon style de m'amuser à baisser les autres, on va dire, pour comment dire, pour me surélever, pour me mettre en valeur. Hein. Moi les gars, je prends mon CD de colo, je prends ma manette, je joue, je fais chez personne quoi. C'est pour ça que j'aime bien jouer tout seul, je fais chez personne, je fais mes petites gameplays comme ça, je joue, je rush pas, on s'en fout. Donc ensuite je vais revenir sur les différents styles de jeu. Ouais, les différentes façons de jouer. Ce que je comprends pas, c'est que les gens pensent que ne pas rusher égale camper. Ou quand tu dis que quelqu'un ne rush pas, je sais pas, c'est une insulte, c'est mal, c'est très péjoratif. Enfin, ça, je comprends vraiment pas pourquoi. Hein. Mais bon, enfin, faut savoir que les joueurs français, on est très mal vus sur la communauté mondiale, on va dire.
Et moi-même, je le dis, hein, je déteste jouer contre des joueurs français. Hein. Franchement, je déteste ça parce que le style de jeu, il est vraiment particulier. Je vais pas m'attarder là-dessus, on va dire, parce qu'après, il y en a qui vont pas, qui vont pas chercher à comprendre plus loin. Donc voilà, là, j'ai changé de classe, j'ai pris la Vector. Poignergo, putain, je vais me faire buter directement. Donc je suis à 41-5. 41-5. Donc je vais revenir un peu sur ce que je disais. Là, c'est à partir de là que je commence ma nucléaire. Je crois que je vais la faire en 2 minutes, 2 minutes 30, un truc comme ça. Une première en 3 minutes, une autre en 2 minutes 30. Moi, je peux pas faire mieux niveau rush. Hein. Donc pour ceux qui critiquaient l'autre, on va dire, l'autre vidéo, franchement, je peux pas faire mieux. Je sais pas ce qu'il vous faut. Donc, ouais, je me perds un peu dans tout ce que je voulais dire. Ouais, les différents styles de jeu. Tu peux avoir un style de jeu, disons, conservateur, parce que déjà, c'est impossible de rusher H24. Tu peux pas. Faut tomber sur le bon groupe. Il y a plein de fois où, avec le style de jeu des autres, tu peux pas juste, entre guillemets, à défendre, je sais pas, le point B, tu restes pas très loin. Regardez là où je vais. Sur Red, par exemple, tu restes de ce côté-là et tu te fais plein de kills. Et non seulement tu joues les objectifs, mais en plus, tu fais vraiment plein de kills. Et c'est ça qui est plaisant à voir. Donc arrêtez de prendre des choses à tort, de vouloir les comprendre comme vous voulez. Hein. Enfin bref, je vais pas m'attarder sur ces petites personnes. Et puis voici entre guillemets, désolé je baille un peu, voici entre guillemets ma réponse. Rien que de parler de ça, ça m'ennuie moi-même, vous voyez. Parce que, ouais voilà, on va pas s'attarder là-dessus. Donc aussi, pour ceux qui voudraient critiquer, hein, je sais pas quoi, parlez pas de ma connexion, parce que je sais pas, je suis en train de chercher les poids négatifs que vous allez pouvoir trouver. Parlez pas de ma connexion, j'ai à peine 400 de largeur de bande, j'ai 1 méga de connexion, vous allez être ridicule si vous me critiquez là-dessus. Donc voilà, c'est juste pour les quelques personnes. Hein. Sinon pour les autres, merci du soutien, hein. Continuez comme ça, j'aime beaucoup. J'ai d'autres nouvelles vidéos à envoyer. Après, je sais pas, j'essaierai de changer d'arme. Là, c'est pour ça que j'ai envoyé la Vector, hein, pour changer. J'ai d'ailleurs pris un risque parce que ça faisait un ou deux mois que j'avais pas joué avec la Vector, mais j'ai voulu changer dans le gameplay. Comme ça, y a pas de gens qui me disent ouais, tu joues qu'avec la MSMC, naninina. Enfin voilà, vous avez compris. Donc, je crois que c'est à partir de là que je vais faire mon autre nucléaire. Ou non, ça va être juste après. J'ai rien dit, excusez-moi. Donc là, j'ai eu chaud. J'ai eu très très chaud, je vais être bloqué, j'aurai quasiment plus de balles. Là, je tire à travers le corps. À travers le cadavre, donc je suis à 64 kills, il reste 2 minutes, mais je vais enclencher la vitesse supérieure. Hein. Donc voilà, il n'y a pas de prétention, il n'y a pas d'arrogance, il n'y a pas de je ne sais pas quoi. Arrêtez d'être ridicule en disant ça. Enfin moi ça me fait rire du moment qu'on parle de moi, je m'en fous un peu. Du moment qu'on parle de moi, c'est ce qu'il faut hein, les gars. Bref. Je vais essayer de... Je sais pas l'avenir si... comme je vous l'ai dit, je ferai un petit truc, un petit commentaire sur la connexion, sur ma connexion surtout, parce que ça revient quand même. Ça revient assez souvent, ce genre de truc. Et puis, en fait, j'ai débloqué ma nucléaire, là, vous avez vu, là. Déjà, invincible. Je sais pas, j'ai débloqué combien d'invincibles. Il me semble que j'en ai débloqué 15 ou 20. Enfin, je sais plus. Franchement, non, je dirais plutôt 10, 15, pas 20. Faut pas exagérer. Non, il me semble que j'en ai fait 45 en tout. Enfin, 45. Ouais, donc 15. Voilà, je me perds avec tout ça. Hein. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo parce que je peux pas faire mieux, les gars. Une nucléaire, enfin, une double nucléaire en solo. Enfin, ouais, voilà, en solo contre une team. Déjà, cette team elle avait 300 ou 400 scores par minute. Hein. Donc, essayez pas de critiquer leur niveau. Moi, j'y peux rien. Après, je sais pas, je vais pas faire une triple nuque contre des mecs qui ont 700 scores par minute. Faut pas exagérer. Donc là, il reste à peine une minute de jeu, je suis à 83 kills. Est-ce que je vais faire les médailles tuerie? Est-ce que je vais faire, comment ça s'appelle, le plus de 100 kills? Vous allez voir. Parce que déjà, un plus de 100 kills en guerre terrestre, c'est très difficile sans tenir les spawns. C'est pas comme l'hardcore, parce qu'en hardcore, juste on voit une médaille tuerie juste après. En hardcore, voilà quoi, juste tu spams, tu sprays, tu tires n'importe où, et tu fais des quad feed, des 5 feed, des machins, je sais pas quoi, juste en tirant un chargeur. Là, c'est de la guerre terrestre. Donc juste pour ça, j'aime beaucoup. Lui, il se prend mon petit C4 sur la tête. Je sais pas si je fais une quad feed. Non, elle a été broke. Donc 92 kills, il reste 25 secondes. Là, ça va être chaud. Ça va être très très chaud. Regardez là, tout le monde sur B. Je suis content. Eh non, je me les fais tous voler. Je suis à 94 kills, il reste 12 secondes, 10 secondes. Je débloque un autre Blackbird.
Je suis à 13 000 points. Et voilà, j'étais tout content. Je me suis dit sur ces, je vais aller faire, je sais pas, une 5 ou 6 pour tout débloquer. Et non. Du coup, je finis sur un 95-7. Le plus de son kill me file entre les doigts. À la fin, c'est dommage. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Laissez un j'aime si vous avez kiffé cette putain de partie. Allez, ciao.